Amen. Toko kiko vanda to beteli Yesu maboko. Nous acclamons le Seigneur. Tobeteli Yesu maboko. Makasi, tobakisi na mwa mololo. Amen. Awa tozali na programme na biso ya prière matinale. Comment être un champion dans une journée? C'est possible de gagner na ba étape nyonso ya journée na yo si tu sais gérer ce que Dieu t'a donné. La difficulté avec les hommes, c'est quoi? Nous savons gérer ce qui est matériel, mais nous sommes incapables de gérer ce qui est spirituel. Or, c'est le spirituel qui dicte le physique. Ça, vous comprenez? Et ça est très important. Pourquoi les sorciers ont toujours une longueur d'avance sur nous? Parce que eux, ils contrôlent le spirituel. Ils te disent, Nakobo Mayo, il ne viendra jamais te tenir, il ne viendra jamais mettre un couteau sur toi. Mais il y a l'obi à Kobo Mayo, pe abomio. Parce qu'ils contrôlent le spirituel et ils te laissent le physique. Et nous subissons. Yango Moni, ici je vais vous donner des clés, de choses que Dieu nous a données, que nous pouvons pratiquer tout simplement et faire en sorte que nous soyons invincible. Moi qui suis devant vous, tous les jours qui passent, je vis un miracle. Mon colonioso, tango, miracle. Pourquoi? Miracle. Avant que j'ouvre l'enseignement de ce jour qui va nous conduire à la prière, je vous donne un petit témoignage. J'avais acheté une voiture pour mes enfants, pour aller à l'école. Le chauffeur conduit les enfants à l'école. Un jour, comme j'ai des écoles à Kinshasa, je vois un officier de service routier venir à l'école me chercher, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas. Moi, je vais presque rarement là-bas. On m'a dit qu'il y a un major qui vient te chercher. Pourquoi? Je me rends là-bas et je trouve ces messieurs. Il me dit, moi, j'étais en train de conduire la voiture des enfants et pourtant je n'ai jamais conduit cette voiture. J'ai ramassé, j'ai écrasé un médecin en ville, pour ceux qui connaissent, aux environs de Beautour. J'ai écrasé ces médecins et j'ai fui. Je dis, c'est pas possible, non, c'est pas moi. Il dit, le numéro matricule de ce véhicule est là. On l'avait pris, on a cherché, et comme tu avais mis l'adresse de là où se trouve l'école, voilà pourquoi nous sommes là. Je vais, il m'invite à la confrontation avec ce médecin. Je me rends, j'arrive là-bas, ce médecin me regarde et dit, oui, c'est toi qui m'as renversé. Moi, je t'ai renversé. Il dit, oui, c'est. Et qu'est-ce qu'il faut? Il dit, comme ma jambe était et fracturée, je veux qu'on me transfère en Europe. Vous comprenez cette histoire? Donc tu te lèves un jour, tu ne connais rien, mais on te braque avec... C'est-à-dire que la police croit à ce que cet homme est en train de dire. Moi, j'ai dit non. Je demande au chauffeur, est-ce que tu as renversé quelqu'un? Il dit non, je n'ai jamais, je suis même jamais allé là-bas. Les enfants n'étudient pas vers la ville, vers le centre-ville, mais ils étudient à Gombe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, le Saint-Esprit me dit, il faudrait regarder la date de la date où tu as acheté cette voiture. Il se pourrait que les gens qui t'ont vendu la voiture, c'est eux qui ont écrasé cet homme. Maintenant, ça tombe sur ta tête. J'ai dit, ok, je vais dans le service d'immatriculation pour
qu'on me donne l'acte de vente qu'on avait déposé, parce que chez moi, je cherche l'acte de vente de la voiture. Je ne vois pas. Je vais dans les services d'immatriculation, ils disent qu'ils viennent de déménager. C'est-à-dire, ils sont sortis de la ville, ils sont partis à Limité. Ils ont des millions, des millions, des millions de dossiers. Il faut classifier et ça peut prendre une année ou deux ans pour que ça soit un nom. Le diable sait compliquer les choses. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Cet homme demande qu'on lui paye les billets, qu'on les prenne en charge, qu'on l'envoie en Europe pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et ce jour-là, le matin, je me suis réveillé. J'ai dit, ma journée ne va plus ressembler à la journée passée. S'ils ont apporté un problème, il faut que mon Dieu trouve une solution à ces problèmes. Je vous parle des choses vraies. Vous pouvez changer votre histoire par votre prière. Vous pouvez bouger les lignes de votre vie rien que par la prière. Et j'ai fait la prière que je vais vous enseigner aujourd'hui. J'ai prié le matin. J'ai prié et je suis entré dans ma voiture. Je vais au poste de police pour la dernière confrontation et finalement ils vont décider où je paye de l'argent pour quelque chose que je n'ai pas fait ou le Seigneur va faire un miracle. Et il va faire ce miracle comment? Je ne vois pas. J'étais sur ma voiture, j'arrive sur le boulevard parce que ce poste de police est sur le grand boulevard de Kinshasa à Gombe. Au moment où je vais bifurquer pour entrer pendant au côté na poste de police, mon téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, l'agent et le service et à immatriculation, il me dit pasteur Ozana Nzambe. Moi je dis quoi? Il dit pasteur Ozana Nzambe. Mais dis-moi quoi? Il dit au milieu de millions de dossiers, je fais passer ma main comme ça, ton dossier monte au-dessus et je retrouve. Ton dossier monte au-dessus. Moi, j'ai dit, prends le taxi express et viens vite me rejoindre. Il vient avec les documents. Nous prouvons que cet accident était antérieur à l'achat de la voiture. C'était, il fallait qu'ils suivent ceux qui nous ont vendu la voiture et que ce n'était pas moi. Le Seigneur avait trouvé une solution dans une journée au travers d'une prière. Nani akoko bete la Yesu maboko. Nani akoko kanisate mokolo. Alléluia, ça mokolo na ye. Na solo banayo tongo ya lelo ezali ayo. Tongo ya lelo histoire na yo il faut échanger. Na na zondi mama kambo na solo ba. Soko zondi maloba alléluia. 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 Amen. Alors suivez-moi attentivement. Ici je ne suis pas venu faire du cinéma. Je suis venu vous enseigner la parole vraie. La parole qui a créé le ciel et la terre. La parole qui a fait en sorte que toi, tu vives, tu sois un être vivant. Et c'est cette parole que je vais vous enseigner maintenant. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, comme je n'entends pas des amen, amen, donc ça veut dire que, bon, on va le faire la semaine prochaine. Ah! Nous allons prendre deux extraits de versets. Ok? Le premier extrait, c'est Genèse 1. Versets 3 à 5. Le deuxième extrait, c'est Jean chapitre 11, versets 9 à 11. Je vais vous montrer que vous pouvez réussir en une journée sans échouer. Je vais lire rapidement. Je n'ai que 30 minutes. Genèse 1. Versets 3 à 5. J'ai retrouvé. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez très fort la parole.
C'est la parole de Dieu, il faut l'acclamer avec joie, avec enthousiasme. Jean 11, versets 9 à 11. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Acclamez la parole de Dieu. Acclamez très fort, très fort. Acclamez très fort. Suivez-moi. La deuxième chose que Dieu a créée dans le grand processus de création, c'est la lumière. Bible lobby. Dieu créa le ciel et la terre en premier lieu, n'est-ce pas? El tango akeli mabele nalikolo zambe sikoyo amoni elokoyo ekoko tambola derrière cette grande création, c'est la lumière. Zamba lobi, que la lumière soit. La Bible dit la lumière fut. Et zambe a analysé balobite zamba lobite. Il trouva que la lumière était bonne. Zamba monite, pour que la création réussisse, il faut la lumière. Et cette lumière est très bénéfique pour sa création. Mais Zamba a constaté que la lumière était entremêlée avec le ténèbre. C'est là où nous entrons dans le spirituel. Lorsque la lumière vient, lorsque Dieu éclaire quelque chose, nous devons savoir que le diable apporte les ténèbres. Zambalobi, mais pour que cette terre soit éclairée, pour que la terre puisse être visible, et Sengeli Nakabola, la lumière de ténèbres. Ce sont des principes de réussite. Beaucoup d'entre nous sommes incapables de commencer une journée par la séparation. Il y a lumière, la ténèbre. La lumière, c'est quoi? Dont on parle ici, la lumière, ce n'est pas cette ampoule qui éclaire. Ça, c'est la lumière physique. Alléluia. La lumière, ce n'est pas une torche, la lumière, ce n'est pas le phare d'un véhicule. La lumière, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu vient dans ta vie, tout est éclairé. Lorsque vient Dieu, entre dans ton affaire, tu vas commencer à voir des choses différemment. Lorsque Dieu s'implique dans ta journée, les choses changent. Ça veut dire que dans une journée, quand tu commences ta journée, commence par invoquer Dieu parce que c'est lui ta lumière. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Commence par appeler la présence de Dieu. Lobana Zambe, qui suis-je pour gagner dans cette journée? Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce que mon ennemi est en train de mijoter. Naïbite, qu'est-ce qu'il mijote? Je ne sais pas. Quel est le plan des sorciers contre moi en cette journée Oyebite? Il y a des gens qui sont en train de monter des plans contre toi. Mais si tu veux avoir la victoire, invoque la lumière de lumière, invoque. Invoque Dieu, c'est tout. Je crée la lumière. Si tu lis la Bible profondément, okay, Jésus va te dire, je suis la lumière du monde. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Je suis la lumière du monde. Comment commences-tu ta journée? Tu commences avec ton intelligence. Au bandaka journée na yo na maele na yo. Au bandaka journée na yo na diplôme na yo. Au bandaka journée na yo na ba calcul na yo. Où tu commences ta journée avec la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Na lingie si kozali toma maboko na yo. Loba, Yesu yaka! Yaka na mokolo na nga! Yaka! Kolo Yesu yaka! Na bengi yo kita! Tambola nanga! Konza bomo inanga! Tu dois invoquer Jésus qui est la lumière du monde. Bible et lobby, Dieu regarde et dit non. Moi j'ai appelé la lumière, mais je vois qu'il y a les ténèbres qui viennent s'entremêler. Pendant les jours, je n'ai pas besoin de ténèbres. Mais spirituellement, beaucoup d'entre nous, nous sommes enveloppés dans les ténèbres. Yango komona, ozo tambola, yozo mona ki ozo tambola dans le jour, mais en réalité, tu es recouvert de ténèbres. Qu'est-ce que Dieu nous montre? Dieu nous dit, commencez par séparer la lumière des ténèbres. Ce n'est pas compliqué. Loko loko mina tongo et loko aliboso ako sala okoloba molili nyoso. Molili e uti na butu nanga. Kokati sana tongo te. Molili nyoso uti na libota nanga. Kokati sana tongo te. Molili nyoso uti na banguna nanga. Kokota na bomo inanga ite. Nazo bengana. Molili nyoso. Na mokolo nanga lelo. Ale banda ko bengana. Ozoloba molili bima na bomo inanga. Na kotambola na se molili te. Tao bondela, ozo beta maboko, bondela. Naba fer nanga, molilite, nandako nanga, molilite, nabana nanga, molilite, na mobali nanga, molilite, na mwasi nanga, molilite. Beta maboko, ozo beta maboko, ozo loba, ozo déclaré. Molilite. Molilite. Banda ko bengana. Bengana molili nyoso. Soki olembi etali yo, nalobi na yo, soki olembi etali yo, lelo ezali lelo, bengana molili nyoso etelemi liboso na yo. Kokanga monoko te, bengana molili na bomoi na yo, bengana molili ya libota na yo, bengana molili na bomoi na yo. Amen. Zalaka a côté de Matalangai. Babi, lorsque Dieu sépara la lumière de ténèbres, Bible lobby, Dieu traça une ligne de démarcation spirituelle. À Salinin, à lobby, que la lumière soit appelée jour et que les ténèbres soient appelées nuit. Toko salango, toko loba, tozali kotia mondelo. Que tongo nangai, ezala tongo. Pe boutou nangai etikala, boutou, ezala, au nom de Jésus. Ota shaba baba babo. Ozo bondela, loba tongo nangai, ezala tongo. Molili ezo esikate, tongo nangai de jour nangai. Boutou nangai de boutou nangai. Awa, nazo telemisa tongo nangai, ezala infiniment éclairé.
Nous n'avons que 30 minutes avant d'aller travailler. Betsa maboko kokanga monoko tse matisa lo sambo na yo betsa maboko kabola tongo na etika la tongo molili etika la molili molili la ndaona tongo lelote tongo la ngai za la tongo na che modelo molili ekota te tongo la ngai etika la tongo na ba fer na ngai na ndako na ngai na ba projet na ngai tongo la ngai etika la tongo. Amen. On acclame très fort. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort. Betela, Jésus Christ, maboko, betela, il oba ensemble maboko. Félicitations. Osozu contrôle ya tongo na yo. Na lobina motomoko, félicitations. Osozu contrôle ya tongo na yo. Ce sont des choses simples que chacun peut faire dans sa maison. Ça ne demande pas la présence du pasteur. Ça ne demande pas un homme enseigné en théologie, non. Ce sont des choses que Dieu a fait comme exemple pour nous. Lorsque nous regardons ce que Dieu a fait, ce qui est copié, nous arrivons au même résultat que Dieu. Aïe, 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 aïe. Donc, awa na prière matinale, je vous donnerai des clés simples. Bokomona ke, si vous pratiquez, votre vie va changer. Bokomona ke, vous allez avoir la maîtrise de vos bénédictions. Maintenant, nous allons voir. Lorsque quelqu'un a pu avoir le contrôle de sa lumière journalière, de son Dieu du jour, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est le Dieu de la Bible, aussi contrôle na mokonayo, au tcheye, na finayo, à Tambouza. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut que je vous dise ces choses. Awa, je vous amène dans le livre, il y a Jean. C'est l'histoire de Lazare. J'ai pris un tout petit extrait. Jean chapitre 11, verset 9 à 11. On appelle Jésus. Jésus, c'est l'image de l'humain spirituel, comme toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es comme Jésus. Tu as porté la lumière. Là, tu es éclairé. Motokoko sayote, motokoboto layo, toi nayo, azate na mokolo alelo. Ata bobunda kanaye na bureau. Yo kozala victorieux parce que tu as amené Jésus na kati ya vie na yo. Atambanda alandaka mobali na yo. Kaka ndenge yo bondeli na prière oyo. Akofanda kimiate molili ekozinga ye parce que ozongi seli ye molili na ye. Nana zondi mama kambo na zoloba. Soko zondi maloba alléluia, alléluia, alléluia. Madame Zobundi, ça va pas dans la bino, bakokonda, à partir de ma prière, bakokonda, au komona, zote ko si la bango, parce que ma prière, oyo, et sali ba epe, oto zo kata kata bango. Zo lingate, si, banano ba recite, o alingite, moussana na refoulou kate, na mbobo na alingite, yo kweya, yazwa, bako kauka, parce que awa, ils allaient jeter, ils ont ma prière de puissance, ils ont ma prière à chargement à ma destinée. Je ne suis pas venu jouer, je suis venu attendre ton témoignage. Na kati se ki tchasa na ya wapamba te, na eko se la témoignage na yo, na lingina mona, te zamba salaka, na lingina mona, que la parole et la prière peut changer une vie. Suivez-moi attentivement. Lazare est mort. Tout le monde déclare que Lazare est mort. Le médecin légiste constate
au travers de leur connaissance, bah palper, bah toucher, bah saligner surtout, bah tient bah stéthoscope, bah tient nions au pot, bah tala, bah lobi il est mort. La famille vient, bah lobi il est mort. Mais Jésus vient. Jésus qui est Dieu avec lui, qui est Dieu, qui a la lumière du jour, il arrive, il leur répond. Il répond à ses disciples, il répond à tout ce qui est avec lui. Il dit, il n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Comment ce qui est jour, vous allez les confondre avec la nuit? Parce que vous n'êtes pas éclairé. Importance, il y a combien de lumière, il y a combien de zambé la journée, c'est Dieu apporte la lumière dans ta journée. Jésus dit, c'est lui qui a la lumière. Comme toi, j'ai la lumière ce matin. Betato loloba, j'ai la lumière. Dis à tes ennemis, j'ai la lumière avec moi. J'ai Dieu avec moi. L'Éternel éclaire ma journée. Félicitations, je suis content de toi. Félicitations. Jésus avait la lumière, à la différence de ses disciples et tous les autres. Jésus a lobby. C'est lui qui marche dans la lumière, voit tout. Il voit tout. Et Dieu le bénit. Lorsque tu fais la prière matinale net au sein de la Tongo Alelo, ça veut dire que ta vision est différente de la vision de tous les autres. Pendant que eux, ils étaient environnés et enveloppés par le ténèbre en disant que Lazare est mort, Jésus dit non, il n'est pas mort. Moi, je vois tout, il dort. C'est les ténèbres qui te fait croire que Lazare est mort. Que Lazare est mort. C'est les ténèbres qui te fait croire que tu es malchanceux. Mais les ténèbres des eaux qui sont que Baboto la Olibala. Et les ténèbres des eaux qui sont que rien ne marche dans tes affaires. Ngalazolo banayo, tout va bien. Tout va bien. Celui qui est Dieu n'échoue pas. Celui qui est Dieu n'échoue pas. Parce que Dieu est créateur. Et lorsqu'on y a un bébé, ça m'a recréé en moi à la minute. À conquis qu'on s'en qui c'est là. N'échouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas un slogan. Nzambe, nasambe la kate. Dieu, c'est le connaître. Ce qu'on y est bien, tu marches différemment. Celui qui est Dieu, celui qui a Dieu, n'échoue pas. Parce que Dieu n'échoue pas. Je sais que Dieu est là. Je sais qu'il est là. Alors, si vous avez dit que vous avez échoué, vous avez échoué. Vous avez échoué. Jésus dit, celui qui est sous la lumière voit tout. Genèse 11, verset 9. Abi, il voit tout. Il ne penche même pas parce qu'il y a que je vois différemment des autres. Mais c'est celui qui est dans les ténèbres qui ne voit rien. Azo Tambola, Azo Ebate qui est un obstacle à tout. Azo Tambola, a ébité que piège à Liboso à Zindi. Mais celui qui a la lumière, à Komona. Regardez ce qui va se passer dans votre vie. Ozo Poussana, Batimo Liboulo. Oh. Bah, pendant que tout le monde dit que Lazare est mort, même les scientifiques, pour que Bappé ça acte de décès, ça veut dire qu'il faudrait commencer par prouver scientifiquement que la personne est morte. N'est-ce pas? Donc Lazare, bah, scientifique, bah, Kotaki Makamboyo, famille Kotaki, Batonso Kotaki, bah, le but qu'il est mort. Mais Jésus vient, il dit non, il n'est pas mort, il dort.
Parce que cette mort n'est pas une mort normale, c'est une mort de ténèbres. Donc il n'est pas mort. Les ténèbres veulent te faire croire qu'il est mort, il dort. Yangona Zolo Banayo, ta richesse dort. Tu n'es pas pauvre, ton mariage dort. Tu n'es pas célibataire, tes enfants dorment. Tu n'es pas stérile. Awanalobi, tu dors. Les ténèbres et l'alici, ta bénédiction. Jésus dit non, il n'est pas mort. Vous pouvez tout me dire, Lazare n'est pas mort. Vous pouvez tout me dire, tu n'es pas malade. Oh yaya, Nalobi, tu n'es pas malade. Non, les médecins ont vu le cancer. Nalobi, tu n'es pas malade. Les médecins avaient vu la mort de Lazare. Jésus a dit qu'il dormait. Moi aussi je dis, tu n'es pas malade. Même si tu as le résultat, tu n'es pas malade. Tu dors. Tu dors. Le problème est parce que vous croyez en ce que les ténèbres vous proposent. C'est une proposition. On te dit au monde mobile, non, là, à l'ingako soute. Et toi, tu crois? Et très souvent, Zambé mobile, abou ingai, n'engenini zambé, te! Yo koloba, mobile, abou ingai, te! Ténèbres, prenez-o la kisanga yango, mobile, aza yanga, akofana na makolo naga, akofana na ndako naga, akobenga nga bébé. Nana zondi mama kambo na zoloba. Sokozo di maloba, alléluia, 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 alléluia. Ah ouais, je suis éclairé comme Jésus. Langage langage au kokana ou yayote. Nous avions une fille qui était séropositive à Kinshasa. Elle est venue à Korotambolate, point noir dans Zoto. Pendant que je parle avec eux, le Seigneur m'éclaire à l'obique à Routi Obikisaï. La fille était faible. Au tali et au lobby, au kouf à lobby. Je lui dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'a guéri. Rabbi, oh non, papa, comment Rabbi, il t'a guéri. Oh, papa, mais comment moi, il t'a guéri. Nabi Senga est signe, mon copo est baké, il t'a guéri. Ça ne vient pas de moi. Quand tu es éclairé, tu écouteras Dieu comme si c'était un homme physique. Tu vas comprendre le langage de Dieu différemment. Moi, il m'a parlé. Moi, quand Dieu me parle, hein, il arrive des fois, c'est comme une folie. Tu vas me voir en train d'insister sur une chose parce que j'ai écouté sa voix. On était dans une réunion à Kinshasa. Le Seigneur me dit, il y a une personne là, 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 qui est venue avec une goître. Un goître là, Yakovimba. Le Seigneur vient de faire disparaître ce goître. C'est une folie. Le goître, ça va disparaître comment? Mais il m'a dit, moi je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Tout ce que je sais, je bénéficie de sa lumière, je bénéficie de sa présence, je parle de ce qu'il me dit. Le reste, ce n'est pas mon problème. Pendant que j'ai dit, j'ai insisté pendant près de 5 minutes. J'ai dit, il y a un miracle ici. Un goître vient de disparaître. Les gens regardaient. Papa ou Makamoni a zolo bar. Gwa très bunga, yo bunga nengeni. Alléluia. Moi j'ai dit, je n'ai pas besoin d'écouter ceux qui interprètent dans les ténèbres. Moi je parle des choses de la lumière. Celui qui est sous la lumière voit tout. Moi je vis un goître disparaître. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un médecin. Je n'ai rien à voir avec le médecin. Je suis dans les affaires de Dieu. J'insiste, j'insiste. Et j'entends des bruits derrière. Une femme commence à courir. Elle court. Je ne l'ai pas encore entendu. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai dit glorifier le Seigneur. Je commence à glorifier le Seigneur. J'ai dit il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. Il est Dieu parce qu'il éclaire ce que le monde ne peut pas éclairer. La femme arrive, on demande, tu es guéri du goître? Oui, je suis guéri. On regarde le cou est plat.
Comment allons-nous croire que c'est vrai? Parce que moi, j'aime vérifier. Je ne veux pas de témoignages imaginaires. Je veux que tu me prouves que tu es guéri. Je sais que mon Dieu opère. Mais je n'ai pas besoin qu'on m'acclame pour une fausseté, non. Les gens qui se déplacent ont des problèmes. Il faut que leurs problèmes soient résolus pour qu'on élève et on adore Dieu. La femme dit, attendez, j'ai des photos ici. Elle ouvre son sac, elle sort une photo, on voit un gros goitre là. Et on regarde la personne et on compare à la photo. Il y a eu une opération sans cicatrice, la lumière de Dieu est passée, il y a eu une guérison. Là, on a acclamé le roi des rois. Je dis vous aussi, acclamez l'alpha et l'oméga, acclamez Jésus. La fille qui était séropositive, je lui dis, le Seigneur m'a dit, tu es guéri. La fille dit, papa, papi, quand on a pété, boy. Moi, je dis, ce n'est pas un problème de péter. Celui qui guérit m'a dit qu'il t'a guéri. Je t'apporte l'information que moi j'ai vue, c'est que moi j'ai entendu. Il m'a dit, tu es guéri. Il dit, si tu veux croire, demande un signe à Dieu. Il m'a dit, ça fait des années, je ne vois plus mes règles. Ça fait des années. Je voudrais voir mes règles. Elle me dit, la semaine prochaine, quand je vais venir à la prière, moi, je lui dis, la semaine prochaine, quand tu vas venir à la prière, tu verras que tes règles seront déjà sorties. Elle est partie. La semaine prochaine, les règles ne sont pas sorties. La fille vient à la fin de la prière. Je pensais qu'elle m'apportait la nouvelle que ses règles sont sorties. Papa, tu m'as dit que le Seigneur m'a guéri. Moi, j'ai dit, oui, je t'ai dit que le Seigneur t'a guéri. Mais tu m'as dit que je demande un signe à Dieu. Moi, j'ai dit, oui, je t'ai demandé de demander un signe à Dieu. Tu avais dit que la semaine prochaine, quand je viendrai, il n'y aura plus de règles. Les règles sortiront. Mais les règles ne sont pas sorties, papa. J'ai une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai dit, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est les ténèbres qui te parlent. Moi, je dis, tes règles sont déjà sorties. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si Dieu, en envoyant les anges, et que le monde des ténèbres ont intercepté l'ange, c'est un petit retard de rien du tout. C'est un problème administratif. Les règles sortiront. Avec moi, c'est comme ça, c'est la folie. Si tu vis avec moi et tu ne me connais pas, tu vas dire, mais quel est ce pasteur? Comment il dit des choses simplement comme ça? Je connais mon Dieu. Il m'a guéri du sida, là où la médecine ne pouvait pas guérir. Je connais, il est toujours au rendez-vous. Peut-être des petits problèmes administratifs, il va le régler, mais la solution. La fille était désolée, déçue. Ah, les pasteurs. Moi, j'ai le sida, il me dit que je suis guéri, et puis il me dit que je demande un signe, et je demande le signe, et je ne vois pas des règles, mais il dit que j'ai déjà des règles. Et ça, c'est quel pasteur? La fille, je la voyais partir déçue. Quand on est déçu, la démarche change. Si tu marches comme ça, tu vas voir comment ça marche comme ça. La déception change même la forme de la personne. Je la regardais, je riais parce que Dieu ne ment pas. La certitude que j'ai, Dieu ne ment pas. Tel que tu es là, si je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu seras l'homme le plus riche de cette ville, tu le deviendras. Mais je ne le dis pas en l'air, il faut qu'ils me disent quelque chose. Et il ne ment pas. Je ne te demanderai pas ton diplôme, je ne te demanderai pas tes connexions dans le monde. Non, je dis quand il me dit, et c'est là. La fille est partie. Avant qu'on arrive le jeudi de l'autre semaine, comme je lui avais donné mon téléphone, le mardi, elle m'appelle. Allô, papa, je t'appelle, j'ai une bonne nouvelle. Les règles sont sorties, papa, les règles sont... Elle dit, tu étais en retard. Dieu était en train de régler des petits problèmes administratifs avec ses anges qui étaient peut-être en retard ou interceptés par l'ange de Perse. Toi, tu es en train de déphaser. Non, il faut croire en Dieu. Le jeudi, elle vient à la prière. Il dit, papa, ce que tu as dit est vrai.
Depuis 6 et 4 ans, je n'ai plus vu les règles. Là, les règles sortent. Moi, j'ai dit gloire à Jésus. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Elle est partie faire le contrôle. Elle va faire le contrôle. Là où c'était séropositif, c'est devenu séronégatif. C'est devenu séronégatif. Dieu ne ment pas. Jésus vient, il dit, non, Lazare dort. Il n'est pas mort, je vais le réveiller. Vous devez savoir que tout ce qui est de négatif en vous, c'est un sommeil. Ce n'est qu'un sommeil. Le diable endort tes bénédictions. Ce n'est qu'un sommeil. Regardez Jésus. Comme il savait que c'est un sommeil, malgré le document livré par le médecin, par les hôpitaux, malgré qu'il fait déjà 4 jours qu'il est dans le sépulcre, alléluia, Jésus vient dire, où l'avez-vous mis? Ce matin, je suis en train de dire, où on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a mis? C'est dans le célibat? On t'a donné l'étiquette de célibataire? Tu n'es pas célibataire. Tu dors. Tu te marieras. Tu n'es pas stérile. Tu dors. Tu auras 2 enfants. Tu n'es pas pauvre. Tu dors. Ton argent est disponible. Tu n'es pas chômeur. Tu dors. Tu auras du travail. Il me reste 5 minutes. Et Jésus va au sépulcre, à la surprise générale. Il va faire quoi là-bas? Mais cet homme est mort et enterré. On a même placé une grosse pierre. Ça veut dire que son histoire est finie. Il y a des gens qui disent que ton histoire est finie. Il y en a qui regardent ton âge et disent, mais tu vas te marier encore, toi, tu peux te marier. Tu peux encore avoir des enfants. Moi, j'ai des preuves bibliques qui démontre que Dieu n'est pas limité. Sarah a eu un enfant à 90 ans. Tu as quel âge? Ça veut dire que tu n'as pas encore cessé d'attendre. Ton miracle arrivera. Parce que Dieu, quand il promet, il accomplit. Moi, je peux t'éprouver. On te dit que tes poumons ne marchent plus. Tu as des problèmes dans ton foie. Tu as des problèmes à l'estomac. On dit ton sang est bourré de virus, de maladies. On dit il n'y a plus de solution. Moi, j'ai preuve biblique. Lazare était mort depuis 4 jours. Ça veut dire les poumons étaient foutus. Ça veut dire l'estomac était foutu. Ça veut dire le rein était foutu. Le cerveau foutu. Le corps, les cellules du corps étaient foutues. Tout était perdu. Mais Jésus vient et dit, Lazare dort. Vous savez comment Jésus a redonné la vie à Lazare? Il n'a fait que crier. Lazare! Sors! Ce matin, tu vas crier sur ton nom. Tu vas dire, Marceline, réveille-toi! Vas-y, vas-y, vas-y. Lève-toi, crie. Crie sur ton nom. Réveille-toi. Crie, crie, n'arrête pas. Réveille-toi. Réveille ta personne. Israël, réveille-toi. Israël, ne dors pas. Israël, réveille-toi. C'est le matin, réveille-toi. Le matin, tout le monde se réveille. Réveille-toi. Oh, si tu es fatigué, c'est ton affaire. Crie, réveille-toi. Crie. Amen. Reste debout. Lorsque Jésus a crié Lazare, lorsque Jésus a... Arrête.
je vois des signes de libération. Je vois des signes de libération. Maintenant même, soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Le Seigneur est là. Je vois des signes de libération. Oh, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes de la mort tombent. Que les chaînes tombent. Soyez libres. Soyez libres. Il y a des gens qui sont enfermés dans les sépulcres. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors. Regardez-moi, c'est la prière matinale, il faut que j'arrête. Si c'était le soir, on allait encore continuer. Mais regardez ce qui s'est passé. Lazare, dans le sépulcre, il était seul. Tout son corps était bandé. Il avait des bandages aux pieds, aux mains et même aux yeux. La Bible dit, malgré ces bandages, Lazare s'éleva. Ce matin, tu es dans la position debout. Tu n'es plus couché. Personne ne marchera sur toi. Quel que soit ce qu'ils ont fait sur toi, ils te verront en mouvement. Ils te verront avançant. Ils te verront en train de te déplacer. Il y a un miracle qui s'est opéré pour toi. Oh, 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 oh. Je vais m'arrêter ici. Il y a des gens qui doivent aller au travail. Ne soyez pas égoïste. Partagez ce message. C'est un vrai message de libération. C'est un message simple que tout le monde peut s'en servir et voir la main de Dieu. Appelle ton frère qui a un problème. Appelle ta soeur. Appelle ta mère. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire la démonstration de sa nature de serviteur de Dieu. Mais ici, il y a la parole qu'on libère. Et c'est cette parole qui te donne la guérison. C'est cette parole qui change ton histoire. Je vous envoie comme Jésus avait envoyé ses disciples. Faites circuler cette invitation partout où vous êtes. Cette salle doit être petite par rapport au message. Ça, c'est un message des nations. Il faut que la nation soit libérée. C'est un message des tribus. Il faut que des tribus soient libérées. C'est un message des générations. Il faut que toute une génération soit libérée. Je vous envoie comme les disciples. Ceux qui veulent vivre les dividendes de mon Dieu, pratiquez ce que je vous demande. Comme je vous ai dit, dans ce programme ici à Brazzaville, on ne demande pas d'offrande ni de dîmes. Nous attendons d'abord voir ton miracle. C'est ceux qui ont vu Dieu qui peuvent apporter l'offrande et la dîme. Tu as des problèmes, tu pleures matin, midi, soir. On ne va pas t'ajouter encore des problèmes, mais apporte la dîme et l'offrande. Moi, je viens vous apporter le vrai message, la parole de Dieu qui est une puissance. Et vous allez vous réaliser que vos ennemis vont reculer. Et vous serez supérieur à vos ennemis. Nous allons faire la prière de clôture. La semaine prochaine, on se retrouve mardi. Il faut retenir que c'est de 16 heures. Si vous voulez que nous prions beaucoup et que vous ayez plus d'informations sur votre succès spirituel, arrivez à l'heure. Si nous avons peu de temps, je vais courir, je vais tout compacter, vous allez manquer beaucoup de choses. Ok?
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Vent. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons pour cette prière de réveil. Merci parce que nous étions comme Lazare dans les profondeurs de puits d'enterrement. Mais tu nous as sortis et tu as démontré que nous sommes au réveil. Que cette journée soit une journée éclairée par toi. Que chacun et chacune de tes enfants soit dans la mouvance de la victoire. Que tous ceux qui vont entreprendre puissent étonner leur génération. Je les sécurise dans ton sang. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse, héritier. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse. Allez au travail. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais chanter la victoire. 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 Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan. Allez, marquez le but. Allez, marquez le but. Marquez le but. Allez, marquez le but. Marquez le but. Allez, marquez le but. Marquez le but. Yo, lele. Yo, lele. Yo, lele. Yo, lele. Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan. Je vais chanter la victoire. Je vais chanter la victoire. Allez, marquez les billes, marquez les billes. Allez, marquez les billes, marquez les billes.